Hey, what's up guys, bienvenue à tous et à toutes à la vidéo du lundi. Alors vidéo du lundi, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va faire notre collector. Et le collector ici présent, c'est Biohazard 5 Limited Edition. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que Biohazard? Donc, si vous êtes inculte, vous n'êtes pas au courant que Resident Evil et Biohazard, c'est la même chose. Donc, c'est Resident Evil 5 Collector. À savoir que le collector n'existe que au Japon. Alors, peut-être qu'il y a un collector européen, je veux dire, avec le nom Resident Evil. Mais, à ma connaissance, voilà. En tout cas, j'en ai pas. Donc, le déballage se fait facilement. De cette manière-là. Alors, nous avons donc ceci. Donc, le boîtier, il est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ceci, c'est quoi? C'est le... Donc, tout le monde dirait... Un virus! Non, désolé, ce n'est pas le virus. C'est non, parce que c'est, il n'y a pas de virus, c'est dans celui-ci. Enfin, si on veut titiller, oui, il y a un virus. Réellement, c'est pas des virus. En gros, c'est l'Asplagas qui a été modifié par les virus préexistants des premiers Resident Evil. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc. Ça, c'est la clé USB, donc, qu'on peut. Sortir de cette manière là. Voilà, classique, hein, c'est une clé USB. Hein. Hop, on va remettre ça comme ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est... Ah, tout a été enlevé en même temps, voilà. Donc nous avons ici, en fait, ça se présente de cette manière-là. Voilà, tout simplement. Donc c'est la Deluxe Edition Xbox 360, toujours. Que j'ai toujours pas la console, bien sûr. Donc nous avons une magnifique image de Albert Wesker et de Jella Exiolet. Donc Shiva Alomar et Chris Redfield. Qui était survitaminé. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est le livret donc du jeu tout simplement, hein, que j'ai pas déballé parce que voilà, je le déballerai pas. C'est un livret classique, hein, mais après c'est tout en japonais, du coup ça a beaucoup plus de valeur. Donc ici qu'est-ce qu'on a? Mais c'est tout simplement le jeu vidéo et on va dire un extrait de l'original soundtrack, que j'ai déjà, l'original soundtrack. Peut-être que je ferai une review vite fait, mais bon, je présenterai juste les coffrets que je peux avoir. Après, c'est pas très intéressant si je fais une review de ça. Donc voilà, c'est voilà le jeu, comment il est. C'est un petit boîtier comme ça, comme si on ouvrait la boîte de Pandore du laboratoire Tricell. Tout simplement. Donc l'original soundtrack, même bémol, c'est que il n'y a que 7 morceaux. Quasiment autant que Alone in the Dark, moins un de moins que Alone in the Dark, 5, qui est lui-même aussi un numéro 5, c'est pour ça que je fais le déballage de ce collector-là. Voilà. Hop, simplement. Donc, on va remettre comme ça. On va ranger là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est la branche nord-américaine du BSAA. Donc, c'est tout simplement une sorte de... C'est une banane, hein, ni plus ni moins. Voilà. Avec donc estampillé Biohazard 5 à l'arrière. Donc, BSAA. Donc, on peut regarder un peu l'intérieur. C'est profond, mais bon... C'est pas non plus une superbe banane, donc ici on peut mettre, si vous voulez mettre 2-3 papiers, 2-3 billets ou autre, un peu d'argent, donc classique, après c'est comme ça, hein, tout simplement.
Voilà. C'est, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, hein. Faut le reconnaître. Hein. Le collector est pas extraordinaire. Faut savoir que c'est à peu près les mêmes dates de création, ces deux collectors. Donc c'était au moment où les collectors commençaient à venir. Et n'a pas forcément été extraordinaire. C'est les premiers collecteurs quasiment de ce moment où tout le monde commençait à chercher à faire des collecteurs. Voilà. Donc ici on a donc le artbook. Alors bon, ben c'est tout en japonais bien sûr, c'est un collecteur japonais. Donc voilà, là, hein, comment ils ont créé cette field et tout ça. Chez Valomar, Alberto Huesco. Voilà. Comment ils ont pu le créer. Donc ça, c'est les autres personnages. Donc il y a un peu de tout. Il y a Oswald E. Spencer ici. On a le troucouillon de la lune, je ne sais plus comment il s'appelle. Désolé. Qui se transforme à un moment donné. Donc un soldat BSAA. Les Magini, qui remplace donc les Ganados du 4. Donc, il existe les Plagas, donc, tous ceux qui font partie ben, des Plagas. Les liqueurs, Sigma, je crois qu'ils s'appellent ceux-là. C'est encore un liqueur différent, qui est muté avec, ben, avec les éléments du 5. Voilà. J'essaye de pas trop vous spoiler non plus, hein. Je vous montre sans trop vous expliquer des trucs. Là, je sais pas si vous voyez, c'est très simple comme image. Ah, bon, c'est une bestiole qui ressemble à rien. Comme quasiment tout le jeu, je dirais aussi. Voilà. Et voilà. Et une image, donc l'image finale, c'est Albert Wesker qui sort des femmes plus ou moins. Un joli petit artwork. Voilà pour ce collector de Biohazard 5. Ben que dire? Ben je suis content de l'avoir parce que ça s'appelle Biohazard. Voilà. Parce que j'ai toujours. Je suis un énorme fan, j'ai tous les jeux hein, Biohazard, je les ai tous. Et. Disons que ben, le jeu est quand même très très mauvais et le collector est quand même hyper bof. Moi sincèrement je préfère Alone in the Dark. Ah oui, il n'y a pas photo. Je trouve qu'il y a quand même un CD de making of. Il y a donc le CD audio, il y a un morceau de plus que comparé à celui-ci. Une petite figurine qui pas extraordinaire mais au moins il y a quelque chose. Donc voilà. J'ai parlé de l'artbook, je crois. Voilà, je veux dire, ça, il y a quand même plus de choses. C'est un DVD, artbook, figurine, CD audio, le jeu. Je pense que c'est pas mal. Là, celui-ci, on a le jeu, un CD audio, une sacoche qui. Faut avoir envie de se trimballer avec un truc marqué BSAA. Franchement, sincèrement. Parce qu'elle n'est pas non plus magnifique. Voilà. Et bon, le CD audio, mais bon. Enfin, que 7 morceaux, on fait très vite le tour. En 20 minutes, c'est plié. Donc, même si les deux collecteurs que j'ai commencé sont pas extraordinaires, je vais monter d'un cran, j'ai plusieurs collecteurs. Je pense que j'en ferai quelques-uns de temps en temps. Des vidéos collecteurs. Donc voilà. Et ben, je vous dis bye bye. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous a plu. Je vous dis bye bye et à la prochaine, à jeudi ou à jeudi prochain, bien sûr.